يبدأ أسن السبت 20 فور 2016 ذي الصبحيت ذي قخان قذل سمولو دات معمر تمدين تنتيزي وزو وقراو أفيدرالي ناغ لكونغري فيدرال نلولي ينتيزي وزو وخبر تيرنين إغالن نمليين ناغ لفرون دي فورس سوسياليست لو أف أف أس ديون وغيروا في ديرالين يدي سملالن شطن 300 إعقالن يدخيرن إمغنسن وخبر لو أف أف أس أجروا جيم في ديرالين حضرن تيد دي غنين إمضبرن أعلاين لو أف أف أس جيرسن محمد نبو أمري أمزورون نغلو برومي سكرتير يبدا القديش الكونغري يكيني سوس محس إتزليت ثغناوت نغلو ليم ناسيونال قسمان يتبع السيد يوت الدقيقة تسوس ميدو ترحم فرح حسين أيت حمد فرجن ولدي حضرن يون سارو غاف تيخلي تسوزرت الحسين يتحمد يبغن العفور بين كنتزرام ذي الاخر من ديسمبر 2015 Il existe une voie algérienne vers la libération de la dictature comme il a existé une voie algérienne pour la libération du colonialisme. Place de toute mon affection. Vive le FFS. سينا كينا مريم زوار وماس محمد نبو يبوي داولا غاف تمو غلي وكفر لها ففس غاف الحالة تمورت أسيد نسل لا شرطي دو لا في لا ديگران قودا كسون سيرس دو ما ترمونيو ناسيونال أكاب نو كونسيطوانيان كي سون ديس دون لا بريكاريتي و لا بوفرتي Face à cela, d'un côté, le pouvoir en place n'affiche aucune volonté politique pour le changement de l'ordre établi. Il continue dans sa gestion unilatérale et autoritaire des affaires de l'État, sans se soucier des risques et des retombées d'une telle gestion sur l'avenir du pays. De l'autre, les ennemis de l'Algérie et les partisans des politiques du chaos et du morcellement des États redoublent de férocité. Les uns comme les autres constituent un danger sur la pérennité de l'État national si aucun changement réel n'est amorcé. Aujourd'hui, deux semaines après le nouveau coup de force constitutionnel, rien n'a changé dans le vécu quotidien des Algériens et des Algériens. Nous l'avons déjà dit, ce n'est pas un texte qui est à l'origine de la crise politique, économique, sociale et morale que vit le pays. Ce n'est donc pas un texte qui sortira le pays de cette crise qui s'aggrave de jour en jour. Au FFS, nous demeurons convaincus que la réponse à la crise doit être globale, concertée, collective et consensuelle. D'où ressort l'urgence d'œuvrer au plus large rapprochement possible entre Algériens de tous les horizons pour un consensus national à même de préserver l'unité nationale, la cohésion sociale et l'intégrité territoriale de l'Algérie. Nous allons continuer à travailler et à ouvrir de nouvelles perspectives avec tous les partisans du projet patriotique et démocratique. Car personne ne peut se dresser face à l'espérance démocratique et patriotique que portent en eux les Algériens et les Algériennes. Nous considérons toujours que la démocratie et le patriotisme sont inséparables. Ils sont encore plus liés aujourd'hui qu'hier, surtout que les menaces qui pèsent sur notre pays ne font que s'accroître. C'est pour cela que nous continuerons à opposer le patriotisme et la démocratie aux partisans de la division et aux prêcheurs de la fragmentation et du morcellement des États,
comme nous continuons à opposer la démocratie et le patriotisme aux partisans de la dictature, du statu quo et de l'extrémisme. يسمديت بواس هذي كمل لقديش سوخي دار ومالاي أفيدرالين غير ماس فريد بوعزيز إلا يكن ذو مكان أكو الدكتور بن أصلا كنا ديلي ديغني وخيرنا 20 إعقال بوس قامو أفيدرالين نار الكونسي فيدرال الولاية انتزي وزو القسمي محن سعيد سكتزي وزو